Le forum Investir en Côte d'Ivoire, édition 2014, a clos ses portes hier samedi avec plus de 3700 participants. Les entreprises ivoiriennes étaient bien représentées. Plus de 1000 logements sont en cours de réhabilitation à Yamoussoukro dans le cadre du programme présidentiel de logements sociaux et économiques. L'État de Côte d'Ivoire veut porter le niveau de transformation de l'ANACARD à 100% à l'horizon 2020. Un atelier a planché sur la question. À l'étranger, en Égypte, l'ex-président Mohamed Morsi risque la peine capitale. Il est poursuivi pour la mort de manifestants. Son procès est reporté à mardi. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Les entreprises ivoiriennes ont pris une part active à l'édition 2014 du Forum Investir en Côte d'Ivoire. Cet événement a été l'occasion de se familiariser avec les grandes firmes qui ont participé à cet événement. Reportage Mamadou Kouassi. Elles étaient nombreuses, les entreprises ivoiriennes, à participer au Forum international Investir en Côte d'Ivoire 2014. Plus de 50% des entreprises participantes sont issues du patronat ivoirien. À travers leur participation à cette rencontre, le secteur privé ivoirien veut présenter ses potentialités et aussi nouer des partenariats pour le renforcement de leurs activités. La Côte d'Ivoire non seulement offre un environnement favorable à l'investissement, mais surtout pour donner un signal à l'international pour dire que il existe des entrepreneurs ivoiriens crédibles, compétents, capables donc d'aller dans un partenariat avec donc des sociétés étrangères. Contribuer à faire connaître le potentiel d'investissement dans le domaine des technologies de l'information et de communication au niveau de la Côte d'Ivoire, de montrer notre potentiel aux différents bailleurs de fonds et fournisseurs et investisseurs pour éventuellement bénéficier de leur financement dans le cadre de certains projets transversaux que nous avons au sein de l'administration. Ceux qui viennent et qui veulent investir dans l'agro-industrie, ils ont besoin de s'assurer qu'ils vont avoir des produits de qualité pour pouvoir alimenter les chaînes de production qu'ils vont mettre en place. Et nous, notre rôle, c'est d'être aux côtés des paysans et même aux côtés aussi de ces industriels-là. Le secteur vivrier est moteur de développement. Il y a tous les produits, mais le vivrier, parce qu'il faut manger. C'est pourquoi nous, on demande aux bailleurs qui sont venus toutes les conventions qu'ils ont pu tenir avec le gouvernement de Côte d'Ivoire qui placent leur confiance vraiment pour les accompagner. Une rencontre jugée satisfaisante pour l'ensemble des participants. On a des entreprises, des structures qui sont venues de l'étranger, de la Tunisie, du Maroc, de la France, de l'Allemagne, qui sont passées ici, qui ont eu à discuter avec la direction générale sur peut-être les thèmes d'échange, les thèmes de partenariat futur. Donc je crois que c'est une très bonne chose que nous soyons là. Écoutez, satisfait et peu dire, je suis extrêmement impressionné par la qualité des participants, une mobilisation extraordinaire, la qualité également des participants. Nos objectifs sont déjà atteints, non seulement du fait de notre participation, mais surtout de notre organisation. Nous confirmons que nous sommes un des plus grands exportateurs de produits manufacturés en Côte d'Ivoire, puisque nous exportons même jusqu'au Mozambique. On a eu des pistes de développement avec des opérateurs locaux qu'on juge importants à développer et à exploiter. Les 4 jours du Forum international Investir en Côte d'Ivoire 2014 ont été meublés de conférences, de rencontres B2B et de panels sur l'économie à travers l'accès au financement. Il faut rappeler que ce sont plus de 3000 investisseurs de divers secteurs d'activité issus de 103 pays qui ont pris part à ce forum. Nombreuses sont les entreprises qui se sont engagées dans la sous-traitance en Côte d'Ivoire, mais celles-ci sont confrontées à des questions de financement. L'État de Côte d'Ivoire a mis en place un mécanisme de financement des PME. Mamadou Kouassi nous en dit plus. La Côte d'Ivoire compte à ce jour plus de 3000 PME, petites et moyennes entreprises, installées sur l'ensemble du territoire national. Selon les autorités ivoiriennes, le nombre va doubler, voire tripler dans quelques mois grâce à la croissance économique que connaît la Côte d'Ivoire avec les nombreuses opportunités d'affaires. Plusieurs PME vont par ailleurs servir de sous-traitants des grandes firmes.
Pour relever ce défi, le gouvernement propose un nouveau mécanisme de financement des PME. Il y a les fonds de garantie, il y a les fonds de financement qui sont placés auprès des banques et il y a toute une infrastructure d'accompagnement de la PME, à la fois pour l'aider à se gérer, à la fois pour l'aider à tenir une comptabilité. Il y a le crédit bail qui se met également en place. Donc il y a tout un ensemble d'instruments qui sont nouveaux, qui commencent à être de plus en plus présents dans notre pays et qui devraient s'intensifier. Des dispositions saluées par les participants. Tous sont unanimes sur la recherche de partenariats privés pour la réalisation des projets. Écoutez, c'est dans l'air du temps, effectivement. C'est dans l'air du temps. Le tout, c'est de trouver de bonnes personnes, de bons prestataires, car il faut savoir que certaines structures n'ont pas la capacité d'avoir en interne un expert qui puisse apporter ses compétences pour un domaine précis. C'est d'appeler mes collègues entrepreneurs à croire à ce qu'ils font et rechercher toujours des partenariats pour faire avancer leur structure. Parce qu'à travers ce que je viens d'apprendre là, on peut évoluer sans forcément le soutien de l'État de Côte d'Ivoire. Aucun emploi ne peut être créé sans qu'on ne parle de sous-traitance. La sous-traitance est à la base même où suscite la création d'emplois. Donc si vous voulez, pour créer plus d'emplois, je pense qu'il faille renforcer la capacité technique ou la capacité financière des entreprises déjà existantes. Et lorsqu'elles sont bien assises, je pense que l'emploi se crée de facto. Mais elle se crée de facto également par l'accès à des marchés. Les experts en banque et en finance soutiennent qu'il faut alléger le cadre juridique et fiscal pour un meilleur accès au financement des PME. Des mesures qui pourront accroître le taux de création d'emplois afin de lutter efficacement contre le chômage et la pauvreté. À la faveur du Forum Investir en Côte d'Ivoire, qui a réuni sur un même lieu plus de 3 700 investisseurs du 29 janvier au 1er février 2014, le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Beugré-Membré, a rencontré de grands groupes. Il avait déjà établi des contacts avec eux au cours de ses différentes missions à l'extérieur. Kwasi Mamadou. À peine fini que le Forum international Investir en Côte d'Ivoire 2014 porte des fruits pour le district d'Abidjan. Plusieurs opérateurs économiques sont déjà sur le terrain pour signer des accords de développement avec le gouverneur Robert Beugré-Membré, qui a reçu une délégation de 40 hommes d'affaires issus de divers secteurs d'activité. De nombreux projets sont prévus, notamment l'installation d'une ferme laitière et une usine de production de pâtes de tomates dans la commune de Songon avant 2015. Objectif, accompagner le chef de l'État Alassane Ouattara dans sa vision de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Robert Beugré-Membré, gouverneur du district autonome d'Abidjan, a réaffirmé son engagement à soutenir les investisseurs pour la réussite de leur mission. La fin donc du Forum international Investir en Côte d'Ivoire 2014 augure déjà de bonnes perspectives pour le district autonome d'Abidjan. On change de sujet. Yamoussoukro, notre capitale politique, n'est pas restée en marge du vaste programme présidentiel de logements sociaux et économiques. Plus de 1000 villas sont en cours de réhabilitation dans la ville natale du père fondateur de la Côte d'Ivoire. Le ministre Mamadou Sanogo, en charge de la construction, a lancé vendredi dernier l'opération de construction de ces logements collectifs pour offrir des toits aux populations de Yamoussoukro. Plus de 30 ans après les opérations immobilières de feu, le président Félix Houphouët-Boigny. Reportage Léon Brou. Route de Didiévi, à l'est de Yamoussoukro, la capitale politique. Trois villas flambant neuves pour témoigner des 517 logements sociaux et économiques à réaliser sur ce site de 7 hectares. À 500 mètres, sur un terrain de 7 hectares également, une autre cité intégrée de 450 maisons en construction. On peut même apprécier la villa témoin, une trois pièces suisse adaptée aux conditions de vie nationales, selon le promoteur. Pareil sur le troisième site d'environ 8 hectares situé, lui, à l'ouest de Yamoussoukro. Sont visibles 3 sur les 476 logements sociaux et économiques de 2 à 4 pièces à bâtir. Ce début de programme d'habitat collectif, déjà la preuve pour les populations que le président Alassane Ouattara est digne successeur de Félix Houphouët-Boigny.
Nous remercions l'État et particulièrement le président d'avoir voulu prendre l'initiative de continuer l'œuvre comme le président Oufoué lui-même l'avait dit. Je trace les sillons et vous allez continuer le développement. Et aujourd'hui, grâce au programme du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, nous voyons que Yamoussoukro va bénéficier de son statut de capitale. Nous allons faire le travail de pédagogie avec M. le préfet de région, M. le maire, pour leur expliquer que c'est leur intérêt d'acquérir ces maisons-là. Sur les droits des propriétaires terriens, le ministre de la Construction est clair, l'État va procéder à leur purge. Nous avons une dotation globale de 35 milliards de notre budget pour 2014, donc 5 milliards qui vont être destinés à la purge à l'intérieur du pays, 15 milliards pour le CDMH, et 15 autres milliards pour réaliser les VRD. Évoquant les autres garanties pour sécuriser le programme des logements sociaux, Mamadou Sanogo rassure sur son aboutissement. État, banque et promoteurs immobiliers s'étant unis. Direction Ebila Soukro, sous-préfecture située dans la région de l'Indénié du Ablin. Dès votre arrivée dans ce village, vous êtes frappé par le spectacle de maisons abandonnées dans les broussailles. Pourquoi ces maisons sont-elles restées inoccupées? Ont-elles des propriétaires? Autant de questions qui méritent réponse. Suivez plutôt le reportage de Eugène Atoubé. Dans le département d'Abengourou, c'était la localité sur laquelle on misait beaucoup en termes de progrès et de développement. Mais aujourd'hui, Ebila Soukro semble bloqué dans son élan. Ce gros village, aujourd'hui chef-lieu de sous-préfecture, avait suscité beaucoup d'espoir et était cité en modèle au regard de ses nombreux acquis au plan infrastructurel et économique. Les plus visibles de ces acquis, sa sous-préfecture, un imposant bâtiment offert à l'État par un fils de la région, mais aussi son habitat rural, un projet dont a bénéficié Ebila Soukro au grand bonheur de ses populations. Quand on a fini, il y avait un problème d'eau et d'électricité. Et puis il y avait un problème, dit-on, de génie, tout ça. Vous savez, dans les villages, comme c'est proche du cimetière, donc les gens ont eu peur et puis c'est resté dans la broussaille. Le projet de construction d'habitat rural à Ebila Soukro a été exécuté en 1998 sous le président d'alors, Henri Konan Bédier. 40 logements évolutifs de divers standings sont sortis de terre. À l'entrée de la ville venant d'Abengourou, des bâtisses sont visibles, rougies par la poussière et emprisonnées par les broussailles. Depuis que les clés des maisons ont été remises aux propriétaires, personne n'y a encore habité. Et avec le temps, tout commence à tomber en ruine. Actuellement, les vitres sont cassées, les portes même aussi sont gâtées. Donc ils peuvent venir mettre l'entretien et puis mettre leurs neveux. Ils sont dedans pour nettoyer. Il y a des fonctionnaires même qui sont là. Lorsqu'ils vont mettre les entretiens, les fonctionnaires peuvent oublier. Les maisons du projet Habitat Rural à Ebila Soukro, pour certains, sont un beau gâchis. Et on n'hésite pas à lier leur non-occupation à des considérations politiciennes. Vrai ou faux? Toujours est-il que la même réalité est observable à Zaranou, localité voisine. Triste sort pour des maisons et dire que l'on se bat à se saigner pour en obtenir à travers le programme de logements sociaux initié par le président Alassane Ouattara. Depuis bientôt 2 mois, les bacs à poubelles déposés au cœur du quartier Plaque Anador d'Abobo polluent l'air et empêchent les habitants de ce quartier de vivre sainement. Cette situation provoque des grincements de dents au sein des populations. Le constat est de Franck Ouadio. Nous sommes au quartier Plaque Anador d'Abobo. Ici, depuis quelques mois, les ordures se sont invitées dans le quotidien des populations. Mariam et Angeline, toutes deux habitent cette cité. Elles disent à ne pas comprendre la présence de ces bacs à poubelles en plein milieu du quartier. Franchement, qu'ils cherchent un autre dépotoir, qu'ils enlèvent les poubelles là. S'il y a un autre coin, vraiment qu'ils déposent ça là, parce que là, ça n'arrange pas le quartier. On n'arrive même pas à respirer. Et puis on a commencé à sentir des démangeaisons. Ça fait que le matin, même quand il te réveille, c'est l'odeur qui t'accueille là. Des vendeuses de pain et d'articles divers, affectées elles aussi par l'installation de ces grosses poubelles à quelques mètres de leur commerce. Quand il pleut, l'odeur vraiment, c'est nauséabond. On ne peut même pas respirer. Ça fait que moi-même, j'ai perdu ma clientèle.
Même ce matin, même, j'ai un client même qui a eu à me dire que je ne mange pas, ce n'est pas parce que tu n'es pas propre, mais à cause de la poubelle. Moi, je ne veux pas venir m'arrêter à cause de la poubelle. Ce n'est pas normal pour même un poubelle dans un quartier. Quand il pleut là, ça gêne, il y a trop de mouches. Une situation qui, selon les habitants et les opérateurs économiques, est nuisible à leur santé. Un matin, on a trouvé que tu pouvais déposer là. Donc la population souffre. Voilà, on n'a même pas aspiré. Depuis l'arrivée de cette poubelle-là, il y a des enfants qui tombent malades, fièvre, typhoïde, tout ça. Il y a des diarrhées chroniques même. Des bacs à poubelle en plein centre d'une zone habitée, méconnaissance ou négligence, difficile d'y répondre, reste alors une chose, retenir son souffle et espérer une amélioration de la situation. Le chômage des jeunes en Côte d'Ivoire préoccupe l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines. Les académiciens ont engagé des réflexions pour apporter leur contribution à la recherche de solutions à cette situation. La conférence débat organisée portait sur la problématique de l'adéquation formation-emploi face au chômage des jeunes. Reportage Serge Colléa. L'ASCAD, l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, place l'année 2014 sous le signe de la réflexion autour de la question du chômage des jeunes. Quel système éducatif mettre en place pour soutenir la nouvelle stratégie de développement de la Côte d'Ivoire? La première conférence, débat sur la question, a été animée par le professeur Diopo Coré-Jacques, membre de l'ASCAD. Cet éminent professeur a développé le thème « La problématique de l'adéquation formation-emploi face au chômage des jeunes ». On ne peut pas dire que c'est parce que les formations sont inadaptées, c'est parce qu'il y a trop de diplômés qui ne trouvent pas à s'insérer. Il faut créer des structures économiques, des industries, des entreprises qui peuvent donc créer des emplois pour embaucher se conforme. Et c'est dans la synergie entre ceux qui créent des industries et ceux qui forment, c'est la synergie qu'ils mettent ensemble qui doit permettre de savoir ce qu'on veut, qui on veut former. L'ASCAD entend se pencher régulièrement sur la question de la formation et de l'emploi. Des propositions seront faites aux autorités compétentes afin de réduire le nombre des chômeurs en Côte d'Ivoire, estimé à 6 millions de personnes et qui va grandissant. Voilà le prix de l'ASCAD, l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines vient d'être décerné à 6 promoteurs de langue nationale. Ils ont été distingués jeudi dernier. Reportage Herman Niamia. Laure Ougnon-Drey, directrice d'une maison d'édition, remporte le premier prix du concours de l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines ASCAD. Sa contribution à la réduction de l'analphabétisme en Côte d'Ivoire lui vaut cette distinction du jury présidé par le professeur Bakary Thio Touré. En plus de son trophée, elle part avec une enveloppe de 5 millions de francs CFA. La troisième édition du prix ASCAD a été placée sous le thème de la contribution à la promotion et à l'enseignement des langues nationales. Ainsi, le deuxième prix est revenu au professeur Paul Aouli pour ses efforts de vulgarisation de la langue abourée. Pour avoir contribué aussi à l'enseignement des principes bibliques en langue locale, l'association chrétienne des témoins de Jéhovah a été désignée lauréate du troisième prix. Adoua Kwasi de l'Académie ivoirienne des langues maternelles, lui, obtient le quatrième prix quand le cinquième a été attribué à l'ouvrage d'apprentissage de la langue Tagbana, Kiyo Bazanu, signifiant « dis-le en langue » de l'auteur Mikan Koulibaly. À ces cinq lauréats s'ajoute le prix d'honneur accordé à l'Institut de linguistique appliquée de l'Université de Cocody. Selon le professeur Bakary Thio Touré, le jury estime que ce dossier de candidature qui relève d'une institution pionnière dans le domaine devrait être classé hors concours. Une enveloppe de 5 millions a donc accompagné ce prix d'honneur. Le président de l'ASCAD, le professeur Bathlemy Koki, félicite et encourage les lauréats à poursuivre leurs efforts de promotion des langues nationales. Au nom des bénéficiaires, Laure Ougnon-Drey remercie l'ASCAD pour cette marque de distinction. Pour rappel, les deux précédentes éditions du concours ASCAD ont porté sur des thèmes liés à l'environnement. Un volet santé dans cette édition. Le centre de traitement ambulatoire pédiatrique du CHU de Yopougon est spécialisé dans la prise en charge des enfants infectés par le VIH-Sida
et la prise en charge nutritionnelle des tout-petits. 21 mois après l'ouverture du centre, ses responsables font le bilan de leurs activités. Doigt des lasers fait le point. Ce garçon de 10 ans fait partie de plusieurs enfants qui reçoivent des soins au centre de traitement ambulatoire pédiatrique du CHU, centre hospitalier universitaire de Yopougon. Par jour, plus de 400 patients âgés de 0 à 10 ans visitent le centre pour des consultations et le dépistage du VIH-SIDA. En plus de la consultation, nous faisons également le bilan de suivi des patients que nous recevons. Donc pour les jours ordinaires, on va osciller autour de 20-25 malades. Et en période d'influence, on peut jusqu'à 60 malades par jour. Déjà, 995 enfants infectés du VIH positif, dont 528 adolescents sont pris en charge et 679 enfants malades de malnutrition ont reçu des soins. Des chiffres jugés satisfaisants selon la directrice du centre. Le problème qui se pose à nous, c'est la prise en charge des adolescents. C'est une tranche d'âge pour laquelle il faut des actions particulières. Et c'est pour cela que nous avons fait une requête pour un projet d'extension. L'initiative est saluée par le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Sur 35 000 enfants qui sont éligibles au traitement, nous avons 5 579 enfants en fin septembre 2013 qui ont le traitement. Cela veut dire qu'il y a un gap que nous devons combler absolument. Nous pensons donc que le travail qui a été fait ici pourra faire boule de neige. Le centre de traitement ambulatoire pédiatrique dispose de 3 sous-unités médicales, à savoir l'unité de prise en charge médicale des enfants affectés ou infectés du VIH-SIDA, l'unité de prise en charge nutritionnelle et enfin l'unité de prise en charge psychosociale. Je vous le disais en titre, l'État de Côte d'Ivoire veut promouvoir la transformation de l'anacadre. La production d'anacadre dans notre pays est estimée à 300 000 tonnes en 2013, avec un niveau de transformation de seulement 5 %. Le gouvernement veut améliorer ce niveau de transformation en le portant à 35 % d'ici à 2015 et à 100 % en 2020. Il faut donc pour cela lever toutes les entraves pour atteindre cet objectif. Un atelier à plancher sur la question. Le point avec Noël Miagnou. Le cajou. Deuxième produit d'exportation de la Côte d'Ivoire, le gouvernement projette de passer du niveau de transformation marginal 5 % à 35 % en 2015, puis 100 % en 2020. Comment s'y prendre? Voilà l'équation à résoudre à travers l'atelier d'échange sur le financement de la transformation de l'anacarde en Côte d'Ivoire. Première marche à franchir, la connaissance de la filière. L'organisation de cet atelier s'inscrit dans la logique de facilitation de la connaissance de la filière et plus particulièrement du secteur de la transformation, par les professionnels des secteurs bancaires et financiers, car il permettra à tous, secteurs publics, opérateurs économiques, institutions bancaires et financières, de mieux comprendre la chaîne de valeur de la filière anacarde et donc mieux apprécier les risques qui y sont rattachés. Une journée a été consacrée à cet exercice à travers 2 panels animés par des pouvoirs publics et les partenaires au développement. Les participants ont eu ainsi l'opportunité d'échanger avec les panélistes et faire des suggestions pour réussir le pari de la transformation du cajou. Les dockers de Côte d'Ivoire réclament une amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Et pour atteindre cet objectif, ils ont organisé une assemblée générale élective afin d'engager de véritables négociations avec le patronat du port autonome d'Abidjan. La synthèse de leur assemblée générale dans un reportage de Serge Gangomet, commenté par Honorine Aïnigori. Ces travailleurs sont appelés communément les dockers. Leur rôle, charger et décharger les marchandises des bateaux, des camions et autres engins intervenant au port autonome d'Abidjan. Un travail qu'ils jugent pénible, risqué et mal rémunéré. Pour vraiment soulever les sacs, on n'a pas de protection. On n'a pas de gants ni de protection. On soulève les sacs à la main nue, dans l'engrais, dans le sucre, dans le riz. Un docker peut venir aujourd'hui ne pas travailler. Il faut qu'il retourne pour revenir demain. Et si il n'y a pas quelque chose pour qu'on lui donne pour faire le règlement de transport, c'est vraiment difficile. Aujourd'hui, bon, vraiment nos soucis, c'est ça. Le docker n'a qu'à avoir au moins un statut où il peut avoir au moins quelque chose à la fin. Un petit truc pour payer son local.
et sa petite famille. Une assemblée générale, donc ce samedi, du CNDD, le collectif national des dockers et dockers transit pour la défense de leurs droits, en vue de relancer les négociations auprès des employeurs. Elle a permis la réélection de Gueye Adé Ika Trike, secrétaire général de ce syndicat. C'est une joie pour moi d'avoir été élu par mes camarades. Le SMIG a déjà été revalorisé. On n'a pas encore commencé les négociations avec le patronat. Nous espérons que d'ici peu, cela va se faire. Nous espérons négocier au plus fort, de sorte que nos camarades soient plus à l'aise. Le CNDD bénéficie du soutien de l'ITF International Transport Federation et de l'ONG OIBSH, dirigée par le docteur Sako Mamadou, parrain de cette assemblée générale. Le collectif national des dockers et dockers transit pour la défense de leurs droits existe depuis le 17 juillet 2007 et revendique plus de 4000 membres. Le maire de Gagnoa, Meji Bamba, a reçu hier samedi le soutien de plusieurs personnalités, au rang desquelles la grande chancelière de l'ordre national, Henriette Dagry-Diabaté. Pour mémoire, sachez que le maire Meji Bamba a été élu le 20 juin 2013 pour un mandat de 5 ans, mandat placé sous le signe du vivre ensemble. Honorine Aïnigori, reportage. Ça y est, Meji Bamba, élu à la tête du conseil municipal de Gagnoa, vient d'être investi officiellement dans ses fonctions de maire. Il place son mandat sous le signe du vivre ensemble, car convaincu que toute œuvre de développement se construit dans l'union. Dans la dynamique, il a fait de la marraine de la cérémonie la grande chancelière de l'ordre national, Henriette Dagry-Diabaté, son modèle. En présent, appel à la grande chancelière, nous avons fait le choix de la fraternité, le choix du rassemblement des filles et des fils de Gagnoa autour d'un bien commun qui est Gagnoa. Invité à cette cérémonie, les opérateurs économiques de la cité promettent apporter leur contribution à l'équipe de Meji Bamba. Le maire, on va les aider, on va faire tout avec monsieur le maire pour que le travail réussisse. Tout comme eux, les chefs traditionnels de Gagnoa donnent l'assurance de soutenir le maire. En tant que détenteurs de la tradition, nous engageons pour la paix et ferons tout pour sauvegarder Gagnoa de toutes sortes de malheurs et de calamités. À ces soutiens s'ajoute celui de la ministre Anne Ouleto, de la solidarité, de la famille, de la femme et de l'enfant. C'est pas Gagnoa ici, on va apprendre aux gens à vivre ensemble. Gagnoa même s'appelle vivre ensemble. C'est la raison pour laquelle je voudrais féliciter le peuple de Gagnoa pour son ouverture. Pour la grande chancelière de l'ordre national, marraine de la cérémonie, la population de Gagnoa ont besoin d'être rassemblée pour travailler ensemble. Nous insistons sur la nécessité de retrouver entre fils et filles de Gagnoa la cohésion qui aidera les aînés à doter la région d'infrastructures qui permettront aux jeunes d'aujourd'hui de mieux se former à partir d'ici. Une mairie, c'est une institution décentralisée qui, dans ses prérogatives comme dans ses actions, se préoccupe des besoins et du mieux-être des populations. Hors de nos frontières, la Libye a remporté le championnat d'Afrique des Nations. Elle a battu le Ghana par tir au but. Au Burundi, le vice-premier ministre vient d'être limogé pour ingérence. Au Kenya, un tribunal soutient la Cour pénale internationale au moment où le président et le vice-président font l'objet d'une plainte devant cette juridiction. Autre affaire de justice en Égypte, le procès du président Mohamed Morsi et de ses 14 co-accusés est reporté à mardi. C'est l'actualité en bref que je vous propose de suivre maintenant. En Égypte, le procès de Mohamed Morsi reporté à mardi. L'ancien président est poursuivi pour la mort de manifestants alors qu'il était au pouvoir. Il encourt la peine de mort avec 14 co-accusés, également de la confrérie des frères musulmans, aujourd'hui interdite. Des manifestants s'en sont pris au véhicule qui transportait les avocats, les accusant de trahison envers leur pays. Mohamed Morsi a été déposé en juillet dernier par l'armée à la suite d'importantes manifestations. Crise politique au Burundi. Le premier vice-président a été destitué samedi par le chef de l'État.
Bernard Boussokoza est sanctionné pour s'être opposé à une décision du ministre de l'Intérieur. Ce dernier avait fait nommer un nouveau leader dans le principal parti Tutsi de l'opposition. Une ingérence inadmissible pour Bernard Boussokoza, lui-même membre de ce parti, l'UPRONA. Bernard Boussokoza s'oppose par ailleurs à une nouvelle candidature de Pierre Nkurunziza à la présidence en 2015. Au Kenya, un tribunal soutient la CPI. Le processus d'extradition qui visait un ancien journaliste a été reconnu valide. La Cour pénale internationale réclame Walter Barasa pour qu'il s'explique sur son rôle dans le procès du vice-président kényan William Ruto. L'ancien journaliste aurait soudoyé des témoins de l'accusation. La CPI a dénoncé à plusieurs reprises ce qu'elle estime être des tentatives d'intimidation dans les procès pour crimes contre l'humanité du président et du vice-président kényan. En Espagne, plusieurs milliers de personnes ont défilé dans les rues de Madrid contre le projet de loi visant à restreindre le droit à l'avortement. Un droit adopté depuis 2010. C'est le plus grand rassemblement du genre à ce jour. Le gouvernement conservateur prévoit de limiter l'avortement aux cas de viol ou de danger grave pour la santé de la mère. Un écran tout au fond de la place, c'est ce qui déclenche cette vague de joie. La Libye vient de remporter le championnat d'Afrique des Nations en football. Une victoire sans action marquante puisque le score contre le Ghana est de 4 tirs au but à 3. Ce tournoi né en 2009 est réservé aux footballeurs évoluant en Afrique. Les deux premières éditions avaient été remportées par la République démocratique du Congo et la Tunisie. Voilà, c'est sur ces images de liesse populaire que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur RTI1, la chaîne qui rassemble.